Alors donc, hier, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans SmackDown. Oui, beaucoup, beaucoup de choses. Des personnes qui sont revenues pour faire du bien. Des autres personnes aussi pour faire du mal. Et ces personnes-là sont que la première personne est Sheamus qui a fait un dropkick sur Shorty G. Après la fin du match contre The Miz, il y a Sheamus qui est arrivé, il a fait un dropkick à Shorty G. Et waouh, le dropkick, il est parti dans la tête à Shorty G comme, comme je sais pas quoi, il a presque fait une pirouette en arrière. Tellement le coup du dropkick, il était fort. Parce que Sheamus, il avait dit, hein. Quand il allait faire son retour, lors des dernières semaines, là, il avait dit qu'il allait être méchant, il allait détruire tous les superstars de SmackDown, qu'il est revenu plus fort que jamais, après plusieurs mois d'absence, et que là, il faut faire attention à Sheamus. Tous les superstars vont faire attention à lui. Donc, voilà. Donc j'espère, bah, on verra dans le prochain épisode de SmackDown qu'est-ce qui se passe entre Shorty G puis Sheamus après l'attaque sur Shorty hier soir, lors du main event de SmackDown, il y avait un match tag team qui faisait face à Byron Corbin et Dolph Ziggler en équipe Roman Reigns et Daniel Bryan. Daniel Bryan n'a pas terminé le match car il s'est fait attaquer par Bray Wyatt vers le milieu du match. Et Roman Reigns, lui aussi, s'est fait attaquer à l'extérieur du ring par Byron Corbin avec une chaise. Donc bah, le match s'est fini en disqualification. Et après, Byron Corbin a remis Roman Reigns sur le ring. Et celui-ci a été chercher la pâtée pour chien, mais heureusement, lors que Byron Corbin a voulu mettre ça sur le visage de Roman Reigns, il y a la musique qui a retenti dans l'arène de SmackDown, et c'était la musique des cousins de Roman Reigns. Jay et Jimmy Uso faisaient leur retour. Ils sont venus au secours de leurs cousins, qui était dans un état pas très bien. Voilà quoi. Ils n'avaient pas envie que il se repasse la même chose quand Roman Reigns a été attaché au poteau avec des menottes quand il s'est fait mettre de la pâtée pour chien il y a plusieurs semaines. Donc bah ils étaient de retour et Byron Corbin a voulu courir et les attaquer sauf que bah ils ont réussi à esquiver Byron Corbin en mettant deux super kicks sur Byron Corbin et un super kick sur Dolph Ziggler. Donc ça fait deux super kicks pour deux catcheurs. Ça fait quand même beaucoup. Mais la plus grosse nouvelle, c'est que bah, les frères Uso sont de retour après plusieurs mois d'absence. Et oui, ça fait plaisir pour l'univers de la WWE et puis aussi pour Roman Reigns. Parce que c'était pas évident ces dernières semaines d'être confronté à Dolph Ziggler et Byron Corbin tout seul, à part s'il y avait Daniel Bryan, mais Daniel Bryan il avait déjà une autre star à côté avec Bray Wyatt. Voilà donc c'était assez bien. Hier soir, il y a mieux. Nas, qui faisait à Mandy Rose, Sasha Deville, Dana Brooke, Lacey Evans, Sasha Banks, Bayley et Lacey Evans et Dana Brooke ont gagné le match contre Sasha Banks et Bayley. Donc c'est une très belle victoire pour ces deux lutteuses.
En espérant que si Rhys Evans ne gagne pas le titre contre Bayley au Royal Rumble, enfin, je pense qu'il y aura un match pour son titre contre Rhys Evans à Challenger. Et si elle ne gagne pas, bah, je pense qu'elle pourrait tenter bah, les titres mixtes par équipe féminine de la WWE. Ça serait pas mal. Ça serait de nouvelles partenaires par équipe féminine de la WWE qu'ils ont montré hier soir qu'ils pouvaient être en équipe. Donc, si les plans de la WWE, c'est de faire ça dans quelques semaines ou avant WrestleMania, ça serait super. Donc voilà.